Bonjour et bienvenue dans The Binding of Isaac Avance Plus. Obstination. Oui. Parce que je veux finir The Lost. Pourquoi ? Parce que. Ok. Ça commence un peu. Ça commence pas trop mal. Objectif, je le rappelle, Méga Satan et ou Delirium. En gros, il nous faut un run de taré. Pour faire, j'utilise des termes techniques, mais bon, il nous faut un run de taré en termes de violence pour pouvoir non seulement tuer nos ennemis extrêmement vite, mais aussi survivre. Ouais. Et encore, c'est pas le keeper. Le keeper, il rajoute une dose de soupe, mais par contre, si je pouvais trouver une item room, voilà, ce serait bien. Ok, mourez. Toi aussi, tu meurs. T'as combien de vie, toi? C'est un champion, en plus, bordel. C'est long à tuer, les champions. Et Spider Revenge. Laissez-moi confirmer, mais si je me trompe pas, c'est un item. Pas trop mal, sauf que ça marche sur nos dégâts. Et que nos dégâts, là tout de suite maintenant, on va pas trop pouvoir en avoir. Elle est là. Voilà. Donc en gros, c'est un premier item tout pourri. Voilà. Et vous connaissez le dicton, quand c'est tout pourri, tu rates la bombe près du unité de rock en haut à droite de l'écran. Oui, c'est un dicton extrêmement spécifique. Ça ne concerne que certaines situations très précises. Mais il se trouve que là, c'était totalement à propos. Ok. Donc, deuxième item room, enfin, deuxième run. Non, parce que, voilà, il y a des persos, il faut au moins se donner un petit avantage. Est-ce que triple shot est un avantage? Ça se discute, ça permet de toucher plus facilement. Ça fait plus de dégâts sur les gros ennemis parce qu'ils sont plus gros. Donc ils s'en prennent plus dans la gueule. On tire beaucoup moins vite. Eh bien, voyons voir. Ouais. On va voir si le deuxième étage il est généreux aussi, ce sera très bien. Ça marche aussi sur l'état d'ennemis vu qu'ils se regroupent ces imbéciles. Voilà, prends-toi tous les tirs toi, ce sera très bien. Parfait. J'aurais bien aimé une bombe pour le Tinted Rock, mais... Bah tiens. Lui, il y a de fortes chances qu'il nous donne une bombe. D'une façon ou d'une autre. Volontairement, pas volontairement... Plutôt pas volontairement, je dirais. Voilà. Et ça, c'est... sans aucun intérêt. Cool. Plein de bombes. On va bien sûr chercher les salles secrètes parce que nous sommes comme ça ici. Mais d'abord, je veux dire, ça c'est garanti que ça va payer. Donc. Voilà. Le magasin à 1 centime, même pas, je me dérange. La salle secrète numéro 1 est ici. Aucune hésitation. La salle secrète numéro 2 est. Hop 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 hop. D'accord. La salle secrète numéro 2 est ici. Magnifique. Bon, elle aurait été ailleurs parce qu'elle pouvait être ailleurs. J'aurais eu l'air très con. Mais bon, elle était là. Voilà, sur ce genre d'ennemi, c'est bien. Triple shot. Plus ou moins. Après, si on pouvait récupérer notre cadence de tir, ça deviendrait intéressant. Donc pour l'instant, c'est pas un avantage ni un inconvénient, c'est juste un truc différent. Sur les petits ennemis tout seuls, c'est un inconvénient, et sur les gros ennemis, c'est un avantage. Ça s'annule. De la vitesse, c'est toujours bien la vitesse. Et ça aussi, c'est bien. Allez hop! Étage 2. Avec le deal with the devil qu'on pourra pas prendre, parce qu'on veut aller faire Méga Satan. J'avais oublié.
Le mieux ce sera de trouver l'item qui nous permet d'avoir à la fois le deal et l'angel room qui s'ouvre. Mais bon, avec Godhead, voilà. Puisque j'en suis à être exigeant, je vais être exigeant jusqu'au bout. Exigeant. Putain, j'ai du mal aujourd'hui. Les mots, c'est compliqué. Ouais, c'est ça. Bon, c'est moi celui, je vous dirai rien. T'es pas mort, toi. Non, mais oh. Je t'ai cru où? Hop, palap, palap. Oui. Ce reste totalement inutile. Mais oui. C'est totalement... Je vais pas dire que c'est totalement inutile, ça m'a bien fait rigoler dans un des challenges. Mais c'est vrai que c'est pas le meilleur template. Il a un avantage, c'est qu'on peut s'en servir pour placer genre Little Brimstone collé sur soi. Ou l'autre là... Incubus. Et du coup, c'est plus facile de viser avec. Mais bon, on n'a pas Little Brimstone. Ni Incubus. Là, on a que Pouic. Et je viens de perdre l'immortel comme un imbécile parce que j'ai foncé dans le feu. Donc ouais, ce sera plus utile parce que ça fera une mouche à chaque salle. Et même une mouche toute seule, c'est plus utile qu'un rouleau de PQ, hein, parce qu'on s'est bien rendu compte que c'était pas la réponse. Et oui, c'est un commentaire politique. Enfin, politique du rouleau de PQ, quoi. C'est... ça reste limité, mais bon. C'est ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein. Il y en a, la politique, c'est les nations, la guerre, le sang, l'argent. Moi, c'est le rouleau de PQ et je me jette dans des flammes. Fantastique. Je vais arrêter de dire des conneries. On va se recentrer sur le sujet qui est de pas mourir. Et de gagner, surtout. Et de faire un run terriblement impressionnant où tous les ennemis mourront instantanément à chaque fois qu'on mettra le pied dans une salle. C'est le but. Alors après, je garantis pas le réalisme, hein, mais c'est l'idée. C'est moi où j'avais un champion qui avait moins de vie là en fait, tout à l'heure. Oh, vous savez ce quoi? Non, non, non. Ah, dommage. On va essayer de faire le tour encore. Bon, ça a pas aussi bien marché que ce que je voulais. Je voulais choper tout le monde avec la bombe, mais il y avait trop de vie, il y avait trop de merdier au milieu. Bon, ça a quand même marché, je veux dire, on va pas se plaindre. D'accord. Je ne sais pas à quoi servent ces cailloux, mais cela ne me gêne pas. Le type, il comprend pas quand il y a un piège, il passe à côté. Oh là. Voilà. Voilà, et toi. Pareil. 8 centimes, ouais. Y'a peut-être une promo. Oh, il aurait pu y avoir une promo intéressante. KO, ce serait intéressant, je suis en train de me dire. Parce que oui, on a droit, on a les items de deal gratuits avec ce perso, mais on peut pas les prendre. Alors si on pouvait un peu mélanger le truc pour avoir des bons items partout... Bon, je suis bien conscient que KO, c'est essentiellement des mauvais items partout, mais... Laissez-moi rêver. Cet épisode s'appellera KO, parce que c'est de la merde. Ok, c'est bien vendu, hein. Moi je dis, le pitch commercial, là, il était parfait. Regardez ça, c'est de la merde. Ok. Par contre, ouais, on va faire ça. Bien. Bien aussi. Intéressant. C'est pas très bon. Je crois qu'il attire les tirs en plus, ce qui est pas génial parce qu'il les attire vers lui. Et ça finit surtout par les dévier vers moi. Donc un man donné. Par contre, il tire des tirs à tête chercheuse. Ça, c'est bien. C'est un item vraiment pourri. Wouh! Je perds en cadence de tir. Ah, mais grave. Oh, mais grave. Par contre, je gagne en dégâts. Mais pas tant que ça. On va voir. Si le boss me donne un HP up, je restart. Si le boss me donne un truc utile. Oh. Alors, si je meurs, la question se pose pas. Je veux dire, si je meurs, je suis mort. Oui. Si je meurs, je suis mort. Vous pouvez noter cette citation et me l'attribuer, il n'y a pas de problème. Bon, par contre, si vous savez où la caser, bravo.
parce que ça, ça, ça se tombe un peu sous le coup de l'évidence. Orange, Show Speed Up. Laissons sa chance au run. Peut-être que le deuxième étage sera fantastique en termes d'objets, sachant qu'il n'est pas tué. Et que je tire pas vite, mais vraiment pas vite. Mais vraiment pas vite. Par contre, je me déplace vite. Ouh. Toujours pas de clé. Mais ça va peut-être venir. Hop, 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 hop. Ouais, après, je fais plus de dégâts, mais je sais pas tant de plus de dégâts que ça. Je veux dire. Là, c'est pas fantastique. Oh. Toujours pas de clé. Par contre, il y a peut-être une salle secrète à un moment qui permettra de faire des choses. Je veux dire, 4,47 de dégâts, c'est bien, mais bon, c'est pas. C'est pas le miracle de Noël non plus. Il faudrait au moins une clé pour le magasin et idéalement deux clés. Une pour l'item room, une pour le magasin. Et idéalement trois clés, une autre pour le coffre jaune qui est apparu. Et idéalement 99 clés, comme ça vous arrêtez de me faire chier avec les clés. C'est... Oui. Mais c'est pas là qu'on trouvera notre bonheur. La salle secrète est probablement ici. Je vais attendre d'avoir plus d'informations pour confirmer. Mais vu qu'on est au deuxième étage, qu'on a le plan, et que c'est le seul endroit où pour l'instant elle est possible, alors qu'on a quand même fait pas mal de salles, j'aurais tendance à dire que vas-tu crever, oui. Mais ce serait par là. Et c'est bien parce que ça nous permettra d'accéder à l'item rond. Hop. The fuck. C'était pas du tout par là. Toi. Sois utile. Mhm. Mhm. Ouais. Si on pouvait accéder au magasin, ce serait vachement bien. J'ai pas trouvé la salle secrète où je croyais. Du coup, elle peut être adjacente à seulement deux salles, c'est possible aussi. Est-ce que ce serait ici, ça m'arrangerait ? Pas du tout. Vas-y. D'accord, ça fait quoi? J'ai pas retrouvé ma cadence de tir et j'ai perdu toute ma vitesse. Zion te sans vitesse pour l'esquive et sans cadence de tir et avec des dégâts normaux de base même. Bon! Heureusement qu'on a toujours Elemental, hein! Heureusement qu'on peut se passer derrière les cailloux pour être intouchable aussi, au besoin. Bon, pas contre ça, mais c'est pas grave. Après, c'est The Hunt, voilà. Ouh, je vais y arriver. Il a pas de temps de vie que ça. Et à part la brimstone, on est relativement à l'abri parce que je peux me mettre derrière le caillou qui me protège des tirs. Mais bon, voilà. Ok, un HP up, donc c'est de la merde. Et ça, je peux pas prendre parce qu'on a dit que je pouvais pas prendre, c'est vrai, j'avais oublié. On est à 13 minutes de vidéo et il est fort probable que je re-reroll encore. Maintenant. Parce que là, faut pas déconner, c'était entre le HP up et les 2D, quoi. Enfin, le D, c'était pas ça. Toi, tu es dangereux. Toi, tu es moins dangereux. Oh. Peut-être que c'est bien. Ça a failli me tuer. C'était pas si bien que ça. Oui. Ok, donc toi, t'es mort. Toi, hop. Et toi, voilà. On va être un peu plus agressif avec Elemental et tout ça. Parce qu'à un moment, ça va les conneries, hein. Dit-il en se mettant à l'abri sur un caillou. Oui, bah agressif, ça veut pas dire con. Tu peux être agressif sans être con si tu veux survivre. Un de moins.
Et donc, mode agressivité maximum sur un ennemi qui peut sauter comme il veut et nous tuer tout de suite. Ouais, un peu con quand même, c'est vrai. Piu, 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 piu. Voilà. On élimine tout ce petit monde, petit à petit, bébé grandit. Si vous connaissez ce dicton, cette petite phrase, vous êtes une personne susceptible de choper le Covid. Ouh, j'ai marché dans les flammes. Je suis un peu fatigué, je sens que je vais arrêter de reroll, je vais juste essayer d'aller jusqu'au bout et voir ce que ça donne. Bon, après, il est aussi peut-être 3h du matin. Allez savoir. Peut-être que j'enregistre ces vidéos au moment où je devrais être dans un sommeil très réparateur. Non mais je peux pas prendre ça. C'est catastrophique quoi. Il va vite, il va très vite, il va très très vite, il va très très vite et j'ai déjà perdu l'immortel. J'ai pas envie de mourir, merci. Ouh. Ah, on commence avec un Tears Down, bien. On continue avec deux troll bombes, bien. L'item room, c'est quoi, un rot dans la gueule? Parce qu'à ce stade, ce serait raccord, hein. Ce serait très connexe. Allez. Eh ben, on n'est pas très loin du rot dans la gueule. C'est le rot par les yeux. Ça arrive aussi. Ça fait ça, des fois. Ok, donc toi, si tu pouvais avoir peur et mourir, ce serait bien. Toi, si tu pouvais avoir peur et mourir, ce serait bien. Ou juste mourir. Hop, 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 hop. Donnez-moi une bombe. Ah, ça marche aussi. Ok, deux coups pour les mouches, ensuite trois coups pour le petit machin et boum la boum. Normalement, je suis pas en danger. Voilà. Ah, le premier étage, c'est toujours la misère. Ok, on va chercher le Tinted Rock parce que Small Rock là, c'est bien. Ça nous permettra de moins souffrir. Parfait. Hop, c'était pas prévu, mais c'est pas grave. On va un peu moins vite, mais on fait hachement plus mal. Je veux dire, on passe de 3,50 si je me trompe pas à 5 plus. C'est pas mal. C'est hachement bien. Je crois qu'il arrête les balles, je suis pas sûr. Mais surtout, comme on a Holy Mantle, on peut se permettre de l'utiliser de façon un peu agressive quand il n'y a plus que peu d'ennemis dans la salle. Et au niveau chrono, stress, survie, efficacité, violence, c'est pas mal. Poc, poc, poc. Regardez-moi ça. Hop, hop, hop. En plus, comme elle est super lente la dague, qu'elle est super large, c'est facile de viser avec. Bonjour, Duke of Flies. Au revoir, Duke of Flies. Vous voyez ce que je veux dire? Et on se prend un damage job. Et un ramp job. Bon, ok. Celui-là, on va essayer de le porter jusqu'au bout. Enfin, jusque là où je vais mourir comme un sac bête. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, le cœur sert à rien, mais... Les clés et les bombes infinies, c'est jamais gênant. Bon, là, j'étais un peu agressif, trop. Tu pouvais mourir. Sérieusement. Combien de vies, c'est merde. Je suis censé faire très très mal. Bon, Jesus Juice, ça a pas fait tant de boucles que ça au passage. Ok. Oh bordel. Elle a éclaté, elle a eu le temps. En fait, quand c'est les ennemis font des ZAD, quand on les tue avec la dague, ils ont pas toujours le temps, les ZAD, de s'éloigner de la zone de la hitbox de la dague. Sauf que là, oui. Mais c'est bon, il suffit de pas mourir et tout va bien. On n'a pas le carte, c'est très dommage. Oui. Vous voyez le mouvement erratique de ces mouches comme il est chiant. Voilà. Tout le monde meurt. Comme ça, personne n'est jaloux. Theme room, non. Paf, 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 paf. Voilà, l'item room est là. Toi, tu as le bon goût de te mettre là où je peux te sneak sneak facilement. Faut pas que je prenne. Non. Faut pas que je prenne trop la confiance, hein, parce que ça va pas marcher sur les prochains étages où les ennemis sont plus agiles et tout ça. Mais pour l'instant, ça marche. Alors,
Ça, c'est nul. On va pas être gourmand. On va tuer les ennemis quand ils arrivent. Bon, ok, on va être un peu gourmand. Pas de tel secret ici. Peut-être du pognon. Troll bombe. Classique. Typique même, comme dirait certains. Le boss. Bon, on a des clés infinies, on s'en fout, on peut les voir. Ça. On a pas assez de sous, mais on a aussi des bombes infinies. La carte des salles secrètes, ça me brancherait bien. Donc on va chercher du pognon. Magnifique. Magnifique. Donc toi. Suivant. On a eu l'item room, on a eu le magasin. Est-ce que j'ai vraiment intérêt à chercher plus que ça dans l'étage? Sachant que j'ai pas le plan. Je pourrais chercher la salle secrète. Ce serait probablement une bonne idée. Elle est pas là. Je sais pas où elle est, donc on va faire ça parce que c'est gratuit. Hop, pour drôle. La voilà. Magnifique. Bon, le boss. J'espère qu'il va nous donner un peu de vitesse. Et le deal with the devil, je sais pas. Idéalement, on peut pas le prendre parce que... Il est pas déjà venu ici. On peut pas le prendre parce que Angel Room et tout ça. Mais bon, les Angel Room, c'est quand même de la chance après, donc je sais pas... C'est une bonne idée, ça en dépend. Bon, ce qui est sûr, c'est que je prendrai pas Fruit Cake. Fruit Cake, c'est le mal. Ok, viens par là, toi. Bordel, j'aimerais bien qu'il s'aligne sur le couteau sans que l'autre merdier arrive. Parfait. Tears up. Très bien. Ça, sans intérêt. C'était tout bon. Trois bons items en même temps, gratuits, que j'ai pas pu prendre. C'est quand même dramatique tout ça, n'est-ce pas? Allez toi, couteau, voilà. Je veux dire, c'était le bouquin, c'est un très bon item à lui tout seul. Little Green Stone, c'est un bon item. Magic Mush, un bon item aussi, mais on l'a pas là. Ok, c'était de la merde. On va aller vers l'autre salle secrète parce qu'il faut bien se fixer un objectif. D'accord. La salle pognon. Voilà. J'aime bien parce qu'on, j'ai un peu l'impression de passer un coup de gomme sur tous les ennemis. Hop. Genre, tu arrives, tu effaces tout le monde, tu t'en vas. Grande salle. Oh bordel. Restons loin de... Cardio alimentaire, génial, j'adore. Restez donc loin, encore plus. Ouh, les Eternal Flakes, elles sont dangereuses. Bordel, le rapide là, il est pas cool. Voilà. Parfait. Allez mourir. Mais c'est parfait. Ok, j'ai reperdu alimentaire. Parfait. Et... Merci, au revoir. Toi. Salle secrète numéro 2. Oui. Combien on a encore des bombes? Ça aurait pu être bien. À la place, ça a été pas bien. Steam Sales, ce serait peut-être bien. Pour avoir plus de magasins sur la suite. Ça, c'est nul. Mais bon, on n'a pas les moyens encore. On va chercher l'item room avant le boss. D'accord. Ça amène rarement aussi loin, la malédiction.
Bon, bah, c'est pas là que ça va se passer. Au moins, ça c'est fait. Oui. Je vais pas la salle qui est à droite ici. Parce qu'en fait, elle peut être collée à rien. Donc, c'est forcément une salle normale et c'est pas très intéressant vu qu'on n'avance pas avec nos 0,8 de vitesse. On n'est pas pressé par le chrono. Mais bon, si on pouvait au moins faire quelque chose d'utile. Quoi. Cette salle aussi, elle sert à rien. Voilà. Tac, tac. Si j'avais fait tout le tour, je n'aurais probablement pas visité cette salle-là. Ok. Vous savez quoi? J'ai une cadence de tir qui est pas tip-top, mais quand même augmentée. J'ai perdu Elemental, donc ce serait bien que vous mouriez loin. Tous. Même toi. Genre, il a cru que c'était pas pour lui, quoi. Wow, 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 wow. Direct, comme ça. D'accord. Eh ben, on va rester sur le principe de toujours être en mouvement. Autant que possible. On peut voir les ombres. Donc, en théorie, on n'est pas pris par surprise, mais c'est pas facile de garder l'œil sur les ombres et en même temps de pas tout le reste. Donc voilà. Bombs, Arky. Ok, au revoir, Elemental. Parce que là, on a l'impression que j'avance correctement, mais en fait, c'est parce que je fais beaucoup de trucs au couteau. Et le couteau sur les boss, on peut pas vraiment s'en servir en fait. En tout cas, pas sur les boss comme Mega Satan et Delirium. Et le problème, c'est que c'est eux l'objectif. Donc il nous faudrait un run un peu plus pepsu. Ok. Elle était genre collée au boss, la salle d'item room. Ça m'arrange, hein, quelque part, mais... PhD... Bien. Que des pilules positives ou neutres, plus une pilule gratuite. Allez. C'est un niveau XL. J'avais pas vu. On va aller chercher l'autre item room, du coup. J'avais pas vu que c'était un niveau XL, c'est bon à savoir ça. Allez, avec un peu de chance, la prochaine salle, c'est là qu'on trouve l'item room. Perdu. Il y avait de l'idée, il y avait de l'espoir. Il y avait rien du tout. C'est du flan. Ouais, ça par contre, c'est bien parce que ça veut dire magasin gratuit et surtout deal with the devil gratuit. Et l'air de rien, un deal with the devil gratuit, ça enlève pas les chances d'avoir une Angel Room en fait. Et ça, c'est bien. Et vraiment gratuit, pas genre ça consomme des cœurs, mais ça ne les prend pas. Quoi. Ah, putain, il nous faut encore deux coups sur ces ennemis-là. C'est pas bon, ça, c'est mauvais. Ouh. Il y avait quoi dans le magasin qui était digne d'intérêt? Je me souviens même. Il me faudrait peut-être y retourner pour savoir. Mais il est à l'autre bout de l'étage. J'ai pas envie d'y aller. Ok, donc ça c'est nul. Ça c'est peut-être mieux. Ouais. Bon, sérieusement. Bon, je me souviens pas de ce qu'il y avait dans le magasin, mais ça devait pas être transcendant du coup. Génial, donc on va avancer, on est à 11 minutes à la fin de Caves, il nous reste un boss. Et peut-être un deal qu'on pourra peut-être prendre pour peut-être avancer mieux dans ce run. Après on peut aussi avoir une Angel Room, ce qui est bien mais pas top, parce que je suis pas encore super équipé pour ça, bon c'est pas grave. Drag méga, bordel. On va peut-être aussi juste crever ici, hein. C'est aussi une hypothèse de travail. Voilà. On a libéré deux de ces boulettes. Merci. Les bombes contre lui, c'est la magie. Hein. Je veux dire, il n'y a pas. Les boulettes sont invulnérables, elles arrêtent les tirs. Placenta, qu'est-ce que c'est que c'est que cette merde? Ben voilà, je veux dire, Rag Mega. C'est trop facile de se faire toucher avec lui en fait. Nécropolis 1. Ouh. Voilà, c'était rapide. Plus Nécropolis. Ok, j'ai été touché. Donc on est attentif, on évite les caca rouges, on évite les ennemis chiants. Ça, un ennemi chiant.
font plein d'AD. Et on change de pièce pour recharger Holy Mantle. Oui, 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 oui. Merci le poteau. Poum. Ouais, j'aurais pu économiser une bombe en cramant une clé. Mais voilà. Hop. Merci. Machin. Je vais voir ça parce que j'ai 100% de chance de deal. Et que c'est probablement une bonne idée. Ok, on va attendre qu'il s'arrête de rouler avant de faire le tour. Voilà. Merci, le couteau presque. Allez. J'ai pas voulu être trop agressif, j'aurais dû. Parce que j'avais encore Holy Mantle. Cheers up, c'est très bien. Un deal. Ok, il est probablement utile de le prendre celui-là. Dès que je me suis débarrassé de ça. Hop. Parce que ça, ça me donne des dégâts, de la vitesse. Globalement, c'est tout ce qu'il me faut. Hein. la vitesse pour pouvoir jouer, esquiver et utiliser le couteau, le petit couteau. Les dégâts pour pouvoir meuler les gens. Et on peut jamais sortir de War of Babylon parce que The Lost n'a pas de barre de vie. Donc il aura jamais un corps rouge. Et ça, c'est bien. Ok, cette salle est assez dangereuse parce que s'il me saute dessus au mauvais moment, je vais peut-être me mettre dans la zone de tir de l'autre merde au centre là. Mais ça va, ça se gère. Hop hop. Ah le vol, ça aide. On a beaucoup d'item room à jeter quand même. Ah, c'était Steam Sales qu'il y avait dans le magasin d'avant. Pas très intéressant. Dwarf Clubs, c'est bien. Ça. Tempérance. Bien réussi. Si on arrive jusqu'au chest, ce sera peut-être bien d'avoir tempérance sous la main pour avoir un item de plus. Peut-être. Bon, on a tout fait, on se casse. On a eu l'item room, inutile. On a eu le magasin, on a même tué le boss. Tellement on a tout fait. On pourrait chercher les salles secrètes, mais... Sans le plan, j'aime pas trop... Allez au pif. Non. Non, sans le plan, j'aime pas trop. Je pourrais chercher et tout, mais on perd un temps fou pour un rapport qui est généralement mauvais. Il y a des salles secrètes qui basculent des runs. Elles sont rares. Très rares. Et puis effectivement, de toute façon, vu qu'on va toutes trouver les autres, c'est pas mal. On est plein de pognon déjà. Alors là, on tire vite, on fait raisonnablement mal. C'est pas encore le bulldozer parce qu'on n'a pas d'effet d'arme rigolo. Mais on peut au moins survivre sur tout ce qui n'est pas un boss atypique. Et par boss atypique, j'entends Mega Satan, Delirium, Hush, Ultra Grid. Mais bon, là, c'est pas trop un problème ça. D'accord. D'accord. Donc voilà, on n'est pas trop mal. De la chance, c'est bien. Même si on chope pas les clés, on pourrait... Faut pas que je fasse ça, c'est trop con. Même si on chope pas les clés, on pourrait avoir... Attends. Avoir Dead Ski dans le chest, donc c'est toujours une option pour faire Mega Satan ensuite. Et honnêtement, là, c'est pas un run Delirium, mais ça pourrait être un run Mega Satan en termes de dégâts et d'efficacité. Delirium, là, ça me demanderait beaucoup trop de concentration pour l'heure qu'il est. Donc voilà. Soyons réalistes. Il me faudrait un run autrement plus rigolo pour avoir Delirium qui se plie à ma volonté. Et puis j'aimerais bien un item actif aussi. Ils sont marrants ces ennemis parce que quand ils sont tout seuls dans une salle avec The Lost, ils peuvent pas me tuer. Alors qu'on a Holy Mantle. Et comme les dégâts qu'ils font en nous touchant font qu'on change de salle, bah ça recharge Holy Mantle. C'est rigolo. Ah, magnifique! Est-ce que c'est Black Candle ça? Dommage.
Chance de deal, toujours. Toujours. Donc on a eu le magasin Elite Emerald, à gauche il y a la salle secrète. Un fort potentiel d'y trouver le boss pas loin. Empiriquement ça marche pas trop mal. Poink. 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 Et le voilà. Et on va pas toucher à ça parce que c'est la mort immédiate. Bon, Mom, c'est un gros morceau. Mais avec le couteau, ça devrait marcher. Et les dégâts qu'on fait aussi. Ok, j'ai failli me prendre un coup dans la figure, mais c'est pas grave. Voilà, et elle est morte. Angel Room. Alors déjà ça. Ensuite. C'est sympa. C'est pas transcendant, mais c'est sympa. Oh, ça peut être bien ça. C'est nul. On a chopé Télépils, qu'on va pas utiliser tout de suite, parce qu'on veut d'abord, bien sûr, tuer l'ange. Et lui prendre sa clé. Allez, j'y vais pas au couteau, parce que... Non, allez, vous savez quoi. Voilà. Donc ça, c'est Télépils aussi. On va aller voir là-dedans, et on va pas le faire. On va juste prendre un item. Et on se casse. Pourquoi? Parce que Boss Rush c'est super dangereux et c'est inutilement dangereux parce qu'on l'a déjà fait. Voilà. Donc voilà, on récupère un item gratuit, c'est bien. On va retourner sur Mom. Aller à la suite. Et puis c'est tout. Comme on a une pièce de clé, on a plus de chances d'avoir un deal, d'avoir une Angel Room. Peut-être que ça suffira. C'est pas sûr. Hein. Hop là. Ne pas se suicider sur machin. Il n'y a plus rien ici. C'est con que les autres items disparaissent. Donc trouver la deuxième clé, ça veut dire une autre Angel Room. Ça veut dire avoir des chances de deal with the devil plus les 62% qui marchent. Pas gagné. Mais c'est possible. Mais c'est pas gagné. Ok, toi t'as disparu, tu m'énerves. Checkpoint 5, c'est pas mal. Genre c'est strictement un bonus, ça n'a aucun effet négatif. Donc voilà, on va pas se plaindre non plus. On pouvait sûrement avoir mieux, mais dans la catégorie qui va pas tuer le run, c'est pas mal. Ouh. salle secrète vers le bas. Y a pas beaucoup de salles spéciales intéressantes dans le. Dans mon 1 et 2. Y en a un, hein, mais pas beaucoup. Et comme j'ai pas le plan du reste de l'étage, j'ai que les salles secrètes. Eh bien, j'improvise. Oh. Oh oh oh. Ouh. C'est pas mal, ça. On va essayer de faire le combat. Si on arrive à choper un... Comment ça s'appelle? Un autre truc bien à la fin, ce sera toujours ça. Bonjour, machin qui va mourir. Bonjour, autre machin qui va mourir. Merci. Un truc bien. Mais j'ai toujours pas d'item actif utile, mais... Mais non, en fait, y'a pas de mais. J'ai toujours pas d'item actif utile. C'est la merde. Mais j'ai du pognon. Et ça sert à rien, le pognon, ici. Oui. Exactement. Comme dirait l'autre, précisément. Boum. Toi, tu augmentes mes chances d'avoir une pièce à la fin après le boss. Et ça c'est bien, je t'en remercie, merci pour ton sacrifice totalement volontaire. Dans lequel tu n'avais aucun choix d'ailleurs. Au revoir Olimental, je vais peut-être crever à cause de ça. Non, c'est bon. Ok. Voilà. Est-ce que ça valait le risque? C'était pas un gros risque, honnêtement. Mais non, ça valait pas le risque. Là, je me rends compte, on a chopé Immaculate Conception, totalement inutile. On peut pas prendre de dégâts. Et je suis pas sûr qu'il proc avec les coups de Holy Mantle. Ça se vérifierait, si j'avais la patience.
et pas envie de ruiner un run potentiellement jouable, enfin, utile. Mais voilà. Là, je sais pas. Et même s'il marche avec Olimental, je fais pas exprès de me prendre des coups, donc je vais pas en prendre des masses. Balls of steel. Vous savez quoi? Speed up, c'était bien. J'en veux une autre. Donc on a Telepills et Health Up. Ça sert à rien. Donc Telepills. Mamagordi. Fantastique. Alors on va rester loin. Parce qu'en fait, le seul danger qu'elle pose quand on est loin, c'est les pics au sol. Et on vole. Alors oui, je peux pas utiliser le couteau en étant loin. Je le vis bien. J'ai perdu Elemental. Et pas de deal, c'est normal, hein, quelque part. Mais bon, ça c'est... J'ai de moins en moins envie de mourir. Dans le jeu, je crois. Juste... Ah ok, c'est la fenêtre de... Sur OBS, j'avais un truc super chelou à l'écran. C'est la fenêtre de Platinum God qui a disparu. Quand je l'ai fermé. Ce qui est normal du coup. Oui. C'est mieux que le papier merdique. Papier merdique qui... J'ai perdu Elemental tout de suite sur un laser. J'ai pas aimé. Donc le trinket papier merdique ne sert que si... Je crois qu'il déclenche un... Il peut déclencher un effet quand on prend un coup. Et c'est toujours pareil, on peut pas prendre deux coups. Donc... Yeah. Ouais, je vais quand même retourner dans cette salle. Sauf que maintenant, vu que je savais ce qu'il y avait dedans, j'ai pu anticiper mon déplacement. Parce que je suis un maître dans la manière, dans l'art d'esquiver le danger. Ok, donc on a trouvé la salle secrète, c'est pour ça fait. Bon, on la voit sur la carte, hein. Pas trop de mystère à ce stade. Enfin, elle se... Tu veux que j'en fasse? Je n'ai pas de vie, littéralement. Encore que techniquement, c'est... Je crois que le perso est géré comme ayant un demi-cœur game. Ça ne change rien. C'est quoi? Couteau. Fantastique, toujours pas d'item actif, je rappelle. Merci, comment ça s'appelle? Ma famille. De m'avoir évité un coup fort violent. Tac, l'autre salle secrète, par là-bas. On fait bien mal quand même, hein. Si on pouvait avoir un deal with the devil, ce serait tellement bien. Enfin, une angel room plutôt. Tellement bien. Ça donnerait une chance à ce run de servir à quelque chose. C'est le dernier étage où c'est possible d'avoir la clé de façon simple. Enfin. Disons que avoir la clé là, ça dépend d'une certaine dose de chance. Avoir la clé plus tard, ça dépend de la même dose de chance, plus grosse. Donc voilà. J'aimerais autant qu'on l'ait maintenant, quoi. Je m'inquiète pas trop, on a Powerfeel, ça nous permet d'esquiver les dangers en quelque sorte. Une fois. Le boss est pas du tout par là. Pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué. Je vais supposer qu'il est en haut. C'est une supposition faite au pifomètre. Je vérifiais qu'on avait bien déjà fait Hush. J'étais pas sûr. Ok. Ok, alors l'œil, voilà. Ensuite, toi, si tu pouvais juste crever, ce serait tellement bien. Wow, 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 wow. Trop de danger là. Merci. Deal with the devil. On va le prendre parce que de toute façon, il n'y a plus d'Angel Room après. Donc ça va se jouer entièrement. Alors soit je vais faire Hush et je chope quelques items de plus. Ce qui serait totalement stupide. Soit je vais directement dans la cathédrale et ça se joue entièrement à la chance d'avoir Dead Ski. Est-ce que je pourrais faire Hush là? Meh. Je suis fatigué, je prends des mauvaises décisions.
Ouais, c'est probablement une mauvaise décision, ça. Très mauvaise. Steam Sale? Donc, Primo. Quoi? D'accord. Donc non, j'aurais pas un truc utile en fait. Alors normalement je prends ça parce que ça donne plein de vie et je joue avec The Lost. Donc plein de vie, c'est très relatif. D'accord, donc plein de pognon, ce qui est bien. Télépiles, ce qui est bien aussi pour rester en vie mais pas pour gagner. Je m'attendais à avoir un bon item genre par surprise, tu vois. Mais non. Ça, ça peut être sympa sur Delirium pour le ralentir tout le temps. Restock, c'est sympa, sauf que il n'y a pas d'item. Je me rends compte, j'ai pas percuté. Attendez. Poc. Ah ouais, d'ailleurs, à ce sujet. Ça fait quoi déjà Shard of Glass? Revenons sur ça. Je connais le nom de l'item, je sais pas ce qu'il fait. Quand tu prends des dégâts, blablabla. Bonjour les bombes. Ça fait un item actif aussi, c'est bien. Ok, chocolate milk. Non. J'ai une méga cadence de tir, donc non. Et en même temps, ça me permet de tirer des tirs qui font très mal. Platinum Gold. Ouais, je sais, J'hésite même plus à y faire appel, quoi. Charger pour faire plus de dégâts. Full charge, 4 fois plus de dégâts. Minimum, faut un tiers des dégâts. On a combien de cadences de tir? On a 4. Ça va être chiant au niveau des doigts, mais je pense que c'est une bonne idée de prendre ça. On charge raisonnablement vite. De toute façon, ça y est, c'est fait. Donc voilà. Donc du coup, pas de black market. Donc pas de raison de garder notre pognon. Déjà que le black market, il y avait peu de raison de faire. C'est quoi cette pilule? Ok, c'est bien. C'est quoi celle-là? C'est la même, c'est bien. C'est quoi celle-là? Non, ça peut servir de la garder. C'est quoi celle-là? Inutile, d'accord. Et c'est tout. I'm drowsy et power pill, bien pour le boss. C'est parti. J'ai plein de mouches, ce qui est dommage. Parce que j'aurais pu... J'ai perdu Elemental tout de suite. Mais genre, tout de suite. Parce que j'ai oublié de faire ça aussi. Est-ce que je suis con? Mais regardez, j'ai un item qui fait que je... Putain, vous avez vu la distance à laquelle elles m'ont suivi les tirs là, cette charpente? Bref. J'ai un item qui fait que je peux pratiquement nullifier toutes les attaques de mes ennemis. Je ne m'en sers pas, car je suis fair-play. Ouais, non. C'est de la merde. Ok, on n'est pas sorti du sable là. Ah, ok, j'avais oublié que ça faisait ça au Rosie aussi. Ça peut être problématique. Oui. Bon, bonne nouvelle, on a tellement de portée qu'on peut rester loin. Mauvaise nouvelle, la vie du boss tombe pas des masses. Là, on est venu ici pour choper Restock et Chocolate Mink, quoi. Et quelques bombes, à l'occasion. Ah, les tirs, ils accélèrent quand même sur la fin. On n'est pas dans le pâté. Ok. Je me mets de l'autre côté parce que je suis légèrement plus loin par rapport à l'épicentre. Et c'est bien. Et bien sûr, il fait des mouches. On va pouvoir passer, oui. Oui. Saleté. Bon, la bonne nouvelle, c'est que les tirs de continuum, s'il en fait, ils seront pas dangereux. La mauvaise nouvelle, c'est que les tirs du laser qui tombe du ciel, s'il en fait, ils sont très dangereux. Comme d'hab. Parce qu'en gros, quand il y a un mur de larmes, je peux pas passer. Et s'il tire ses lasers en même temps, ben, je peux pas passer quand même. Donc, voilà.
Je peux activer Power Pill, cela dit, c'est pour ça que je l'ai gardé. Pour pouvoir traverser le mur de l'arme à un moment si besoin est quoi. Mais j'aimerais autant ne pas en avoir besoin. Oh bordel. Ouais, alors là par contre il y a du monde, on va juste tartiner. Voilà. Et on reprend. Toi tu meurs. Allez, disparaissez les tirs. Ouais, je pourrais aussi les faire disparaître au couteau. Ce serait totalement stupide, je vais pas faire ça. Bon, ça normalement ça va pas trop loin, donc ça devrait aller. Ok, il tire du continuum, c'est vers où? C'est vers là. D'accord. Et là c'est vers la gauche. C'est pas dangereux. Par contre les mouches, si elles pouvaient arrêter de me tuer. Non, elles arrêteront pas. Bon, on va les tuer. Ok, c'est encore des modèles qui suivent, c'est chiant. Ça meurt bien, mais c'est chiant. Putain, les régènes qui poquent en permanence, ça sert absolument à rien. Ok. Non, non, mais... Oh, bordel. Ça va quand même assez loin malgré le ralentissement. Attention les bols, ils sont super dangereux à ce stade. Je rappelle que j'ai déjà cramé Olimental. Parfait. Parfait. Toi, viens dans ma poche. Et toi aussi si tu veux. C'est quoi l'autre là? Hein, ça peut être sympa. Télépides et... bombes arcs, parfait. Bien, alors on va quand même aller dans la cathédrale, parce que le but c'est méga Satan. Et que c'est pas un run Delirium pour l'instant. C'est compliqué quand même. Ouais, je sais pas pourquoi, mais après le... Wesh, ça peut être l'occasion de choper trop 4 bons items. Le magasin, il y aurait eu un deuxième item, on aurait fait un bon bonus, quoi. Bon, il y avait pas, donc c'était de la merde, mais... Lock-up, c'est très bien... Tu sais quoi, re-lock-up, c'est très bien. Bombes arki, c'est sans aucun intérêt. Salle secrète en bas... Ouais, tap-shoot, ça fait beaucoup moins mal, donc on va éviter. Sachant qu'on charge tellement vite. Hop là, tu vas bien mourir, oui. Bon après, même le tir qui fait pas mal, il fait mal. Ouh, je suis passé au travers de tous les tirs. Ne me demandez pas pourquoi ni comment. Enfin pourquoi, parce que c'est pour survivre. Comment par contre, c'est une autre question. Bon, il est où le machin qui nous reste? Voilà. J'ai raté un coffre rouge. Nani. C'était de la merde. Hop là. Salle secrète, en bas? Oui, manifestement, peut-être. Éventuellement, c'est possible. Ouais, pourquoi est-ce que je prends l'argent? Hein? Pourquoi pas? Ok, ça c'était très con. Donc on va juste les tuer normalement. C'était très très con de ma part de foncer dessus comme ça avec le couteau. Merci la bombe. C'est cadeau. C'est cadeau aussi. Boum. J'avais oublié que j'avais ça. Bien. Ça, ça nous donne plus de chances de gagner déjà. En gros, 9 lives, ça nous donne environ 9 vies de plus. Environ. Environ très précisément 9 vies de plus. D'ailleurs, j'ai aussi chopé le collier. C'est-à-dire que je suis à un item de la transformation Guppy qui est un gros avantage. Faut bien le dire. J'aurais pu, si j'avais pas pris le dernier deal, avoir potentiellement une Angel Room ici.
mais je l'ai pris. Donc voilà. C'est cruel. Bon, après ça aurait été genre 63% de chance. Ah, c'est beaucoup quand même 63%. Ça aurait pu marcher. J'étais un peu con sur ce coup-là. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait un coffre rouge qui marche en fait. Oui. Je veux ma bombe. Bon, ce serait vraiment bien qu'on puisse faire méga Satan là. Ça dépend beaucoup de la chance. Et ça, c'est embêtant. Hop. Oui, d'ailleurs, à ce sujet, je veux ma bombe et je veux aussi ça. Oui, c'est vrai. Oui. C'est pratique de faire péter les bombes quand on veut. Luck up. Eh ben, 9. C'est pas mal. Ça commence à être bien comme score. Wish. Et merde. Il y a une astuce avec Isaac quand on a cet item, c'est de le cafir de bombes et de toutes les faire péter en même temps. Elles font toutes des dégâts en même temps et il meurt instantanément. En un coup. Ok, j'ai été très con et j'ai échappé au tir. C'était dans l'autre coin qu'il fallait aller en fait. Donc coup de bol. Le truc est pas toujours aligné pareil, donc ça marche. Normalement, c'est... les coins opposés à la diagonale, ça marche toujours. Mais le coin en face, ça marche pas vraiment. Mais là, ça a marché. Tranquille. Bon allez, l'heure de vérité. Ça c'est l'œil dans le dos, je crois. Ça c'est un livre, ça peut donner de Bookworm. Ça c'est de la vitesse. Et puis c'est tout. Alors idéalement, on va très souvent tirer dans notre dos déjà. Et idéalement, on devrait avoir pas mal de coffres parce qu'on a 9 de chance et que si ça devient fluer, là ce serait le moment. Voilà. C'est un bon item. Regardez. Hop. Bon ok, c'est pas toujours transcendant, mais c'est un bon item. Ça c'est nul. Ça nous rendra pas de vie et ça fait tellement peu de dégâts quand ça touche que c'est pitoyable. Ok. Oui, on va charger nos tirs plutôt un peu. Voilà. Non mais des coffres, c'est bien les coffres, parce que c'est utile. Après, je suis pas stressé, j'ai 9 lives, c'est-à-dire que même une grosse boulette me tue pas. Mais bon, si on pouvait éviter aussi. Oui. Oui. Taurus, même pas pour rire. Je tiens à ma vitesse. Par exemple, ici, très utile. Non. Non, 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 non. Mauvais item. Prendre. Ok, j'aurais pas dû faire ça, sachant que j'ai 9 lives. C'était pas utile. Mais bon. Ok, donc ça c'est naze. Je le prends pour le plaisir. Ok, donc du pognon qui ne sert plus à rien, rappelons-le. Voilà, voilà. Il pourrait y avoir un magasin spécial ici avec des spéciaux. Mais il n'y a pas. Ou alors s'il y a, j'ai jamais vu, mais jamais de chez jamais. Donc voilà. Oui, je pourrais lui mettre Crack the Sky dans la figure. Je suis quelqu'un de charitable. Sérieusement? Je leur ai tout fait ensemble sauf le dernier coup. Parlant de Crack the Sky et des gens charitables. Voilà. Voilà. Brevet. Allez, Datsuki, c'est pourtant pas compliqué, c'est possible de me la donner. Allez, le jeu. On est cool. On est cool.
Ok, je devrais peut-être finir un des deux avant de répartir les dégâts comme ça, mais... C'est pas grave. Est-ce que c'était la bonne salle pour utiliser Crack the Sky? Non. Définitivement pas. Après, honnêtement... Là, si le run nous amène à pas avoir la Datsuki, y a pas de question de bonne ou de mauvaise salle, c'est juste que le run sert à rien, que l'un dans l'autre. Voilà, voilà. Et j'ai peur qu'on s'achemine vers cette... Tiens, j'aurais pas pris... c'est The Mark, je crois. J'aurais peut-être eu une Angel Room et c'était bon, quoi. Ça m'a donné genre 0,3 de dégâts en plus. Bon, j'en sais rien, je sais pas le chiffre exact, mais... Concrètement, ça valait pas les dégâts que ça m'a rapporté si ça m'a fait perdre le run. Pour faire très simple. Quand tu veux, tu meurs. Datsuki... Non. Box of Spiders, c'est globalement pareil. Sauf que c'est pas du tout la même chose. Yeah. Ah là 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 là. Et c'est la fin. Et c'est un item de merde. Et je le prends en... Nul. Bon bah tant pis. À moins qu'il y ait Void. Ou que je meure ici 9 fois d'affilée, ou 10 fois même. Voire plus avec le collier. Oh. Ouais, l'aura n'est pas suffisant pour Delirium, mais bon. Et il n'y a pas Void. Donc il est possible que j'aie une possibilité que j'ai flingué moi-même. Ah. Je sais pas comment je vais faire, je vais probablement faire d'autres persos après parce que c'est bien chiant là. Le hasard.